Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test du FreeWave Pro. Donc c'est un casque développé par Trust. Donc Trust, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une marque d'accessoires informatiques. Donc le casque qu'on a là, c'est un casque, comme vous pouvez le voir, qui est sans fil. Donc qui utilise une technologie ultra haute fréquence. Donc c'est un peu la technologie qu'on trouve dans les antennes de télé ou dans les TNT. Donc c'est un casque supra-oral, comme on peut le voir ici, puisqu'il va avoir tendance à se poser sur l'oreille. Voilà. Alors pour le fonctionnement, donc il se recharge ici, le volume se règle avec l'espèce de petite molette qu'on voit ici, donc plus, moins, à la manière un peu du Philips SHB9100 que j'avais testé. Là, on va avoir le bouton pour allumer, voilà, hop, et pour éteindre, voilà, donc comme je disais, on règle le son ici, le micro se règle là. Donc c'est un casque qui va être plutôt orienté son du type électro ou hip-hop, hein, le son que j'ai tendance à écouter. Ce genre de musique passe très bien avec ce casque-là. Peut-être avoir plus de mal sur des musiques qui vont demander plus de précision du type instrumental ou peut-être rock. Ça va être un peu moins bien, ouais, parce que c'est quand même un casque qui est quand même un peu basseux. Et donc c'est vrai que sur des morceaux de type électro, ça rend bien. Ça rend vraiment bien. Voilà. Le micro est bon aussi, hein, y a pas de souci pour le micro. Étant donné qu'il va se coller près de la bouche. Bon bah du coup le son n'en est que meilleur. Voilà. Pour ce qui va être du design, donc pour le design, on trouve un peu le design du EKG, hein, par rapport au coussinet. Clairement on est un peu sur le même design. Ça va être un peu un mélange en fait entre le EKG et le Philips, hein, dans le sens où comme c'est un casque sans fil, on retrouve un peu l'esprit du réglage du son sur l'oreillette, à la différence que le Philips avait tout dans le même molette ici. Voilà. Voilà. Les petits défauts qu'on va avoir par contre sur ce casque au niveau design, ça va être qu'il ne pivote pas. Donc ça va être un petit souci par exemple pour le. Rien que pour le confort, c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir un casque qui pivote puisqu'il peut s'adapter à la forme de la tête de la personne. On retrouve un peu un écart ici, qui n'est pas trop choquant sur la tête, ça va, c'est moins choquant que sur d'autres casques que j'ai essayé. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'y a pas de pivot, ça va avoir tendance à rendre le casque un peu moins confortable, mais au-delà de ça, ça va avoir tendance aussi à provoquer une isolation qui va pas être forcément top, parce que comme le casque pivote pas, il va pas pouvoir forcément bien s'adapter à la forme de votre oreille, et c'est vrai que du coup niveau isolation il va pas forcément être super, surtout que les coussinets sont pas très épais, un petit peu, mais donc voilà, niveau confort et isolation, bon, des petits défauts. Donc il va être fourni avec une clé USB qu'on voit ici en fait, qui va vous permettre de le connecter tout simplement, puisqu'il utilise la technologie ultra haute fréquence dont je parlais tout à l'heure. Et donc c'est vrai qu'il faut un adaptateur. Donc l'avantage de cette clé USB, c'est qu'elle va installer les pilotes directement. Donc on branche, on n'a rien à faire, on a juste allumé le casque et c'est bon. Et le gros défaut qu'il va y avoir aussi, c'est que quand on éteint le casque, le son ne ressort pas du PC, il faut débrancher la clé. Donc sur un PC portable, bah, ça pose pas de soucis, mais sur un PC fixe, clairement ça peut être un peu plus embêtant, surtout si il vous reste plus qu'un port USB et qu'il est derrière. Bon bah s'il faut s'amuser à débrancher et rebrancher la clé à chaque fois, c'est pas forcément hyper pratique. Donc il est fourni avec un câble en mini USB qui va vous permettre de le recharger. Donc on va le voir ici, voilà, pour brancher le mini USB, voilà, dans le port qu'on trouve ici. Et la petite LED va s'allumer en rouge pour vous dire que le casque est en train de charger. Donc une fois que ce sera terminé, bah, il va s'éteindre comme ici. Voilà. Un des petits détails sur lequel je voudrais revenir, c'est que du coup il n'y a pas de câble. Donc il n'y a pas de prise de jack. Donc c'est peut-être un petit peu dommage, voilà, ça aurait été pas mal peut-être d'essayer de mettre les deux systèmes. Mettre les deux systèmes ensemble, pas forcément qu'un casque sans fil. Voilà, c'est un petit détail que je voulais noter sur la fin, et puis voilà. Ce qui va être détail technique, je vais pas pouvoir vous dire grand chose, puisque le casque
n'existe plus sur le site de Trust. Et comme j'ai l'habitude à chaque fois de regarder sur le site du fabricant pour vous donner des petites infos à la fin, là, j'ai pas grand chose à vous dire. J'ai pas grand chose à vous dire. À part que c'est un casque du type supraoral. Il est relativement léger, hein. Je pense qu'il doit être en dessous de 120 grammes. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Je pense que l'impédance doit être aussi être de 32 ohms, mais après, j'ai pas trop envie de m'aventurer sur des. Sur des connaissances que j'ai pas sur ce casque. Donc voilà. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, bah, vous pouvez toujours mettre un petit j'aime, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée et on se dit à bientôt. Salut à tous !